les générations qui arrivent après lui sachent ce qu'il a amené, ce qu'il a laissé et ce qu'ils peuvent utiliser. Je me rappelle une fois, on a joué quelque part, je pense au Carbet en Martinique, et il s'est jeté dans la salle, dans la foule en fait. Et la foule finalement l'a remonté, mais il était presque à poil, quoi. Il n'était pas très obéissant quand il rencontrait des amis. Il oubliait ce qu'on lui disait de faire. Quand j'arrive le midi et que je lui laisse les choses à faire, il ne l'a pas fait, je suis fâché. Je lui donne un petit raclet, rien du tout, et puis c'est tout. Je veux garder l'image, mais je sais qu'il faut que j'accepte. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Je pense particulièrement à sa maman qui s'est battue, vraiment battue beaucoup pour lui. Je pense aussi à ses frères, ses sœurs et tout ça. Et vraiment, je leur envoie mes condoléances les plus émues, quoi, de manière à ce qu'ils tiennent bon. Mais bon, le sentiment est encore trouble, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais même pas si je peux trouver les mots pour dire ça. C'est jamais agréable de perdre quelqu'un, voilà. Jean-Philippe. C'est inacceptable, mais bon, en même temps, bon, il faudra prendre les choses comme ça vient, quoi. Voilà. Mais c'est très dur. Toujours, toujours et encore des larmes, dans un brouhaha indescriptible, la famille, la presse, les officiels, les artistes vont mener la danse. Veiller le corps de l'artiste, de l'ami. Soulager la peine de la famille Saint-Éloi. Voilà, et la foule de plus en plus dense se masse littéralement devant la scène où sera amenée la dépouille de Patrick Saint-Éloi pour l'office que présidera tout à l'heure, que dirigera Monseigneur Jean Hameau, l'administrateur diocésain. La foule est là, immense. Ils sont des milliers, tous unis dans la même attente. À l'arrivée du corps,
Pour certains, l'émotion est intense. C'est au milieu de ceux qui lui auront tant donné durant toutes ces années que la star du Zouk monte sur scène une dernière fois, portée par ses proches. Et déjà, les premiers mots qui lui rendent hommage, emplis d'une forte émotion, se mélangent au silence, le silence du vide qu'il laisse. Monsieur le Président du Conseil Régional Victorin Lurel nous a rejoint. Monsieur le Président, le concert de Damancourt, le concert hommage, on a presque le sentiment avec le recul que cela avait quelque chose de prémonitoire. On peut dire ça, on peut dire ça. En tout cas, lorsqu'on a eu l'idée de lui rendre un hommage vibrant et avec quelque ferveur, on a rencontré ici ou là quelques réticences. Mais au total, ça a été un très bel accueil. Et je n'oublierai jamais les mots que j'ai eus, parce que déjà circulaient de méchantes rumeurs, il faut dire les choses. Et j'avais dit dans une improvisation un peu rapide, un peu courte, il est vrai, que Patrick n'est pas mort. Et qu'il est bien là pour nous faire vibrer avec son talent et sa musique. Eh bien, j'ose vous dire ce soir que Patrick n'est pas mort. Parce que moi, j'ai le sentiment un peu fort que plus que jamais, il sera dans le cœur des gens, dans la tête des gens, dans la bouche des gens, et que ses paroles nous porteront encore pendant longtemps. Est-ce qu'il vous laisse à vous, homme politique, une leçon, un enseignement particulier qui demain, après-demain, oui, guidera vos pas dans votre action publique? Plusieurs choses. Ce perfectionnisme, ce professionnalisme allié paroles, poésie et mélodie, c'était un génie rare pour allier ces deux choses-là. Vous trouvez des gens qui sont très bons, mais qui vous parlent plutôt à votre esprit, à votre raison. Là, il savait parler à la tête, au cœur, au corps, dans des alliages, dans des alliances de mots, de musique, de sonorité, de sensibilité. Ça, c'est une chose, le professionnalisme, le perfectionnisme. La deuxième chose, la sobriété. Être simple tout en étant grand. Et c'est assez rare ça aussi. On avait même l'impression que Patrick était timide. Ensuite, cette formidable envie de vivre. Les gens qui l'ont connu dans les derniers moments savent qu'il a résisté à la mort. Quelque part, il voulait vivre. Je peux dire, hein, et je pense que la famille comprendra si je dis ça. Nous étions peu dans la confidence. On savait qu'en juillet, Patrick était déjà très mal. Eh bien, il a tenu jusqu'à très récemment. Ça veut dire que, et d'ailleurs, on criait un peu au miracle. Eh bien, cette rage, cette envie de mordre à la vie, oui, ça aussi, ça devrait inspirer celles et ceux qui viennent. En tout cas, il m'a accompagné dans ma vie. Sa musique, depuis très très longtemps, m'a accompagné. J'aimais ses balades, j'aimais sa musique. Parfois, même lorsque je ne retenais pas les mots, j'aimais écouter Patrick. Je suis très fier que nous ayons eu, avec beaucoup d'autres, cette idée-là, de dire que la Guadeloupe a de grands hommes. Et contrairement à ce qu'on croit, nous savons reconnaître nos enfants. Je crois que Patrick Saint-Éloi a été très aimé. Franchement, la preuve, toute la Guadeloupe est là. On sent qu'il y a une ferveur à l'occasion de sa disparition. Alors, il faut faire vivre son souvenir. Sa musique est bien là, ses images sont là. Peut-être qu'au premier anniversaire, il faut voir. Chers amis, qui était Patrick? On a tellement parlé de lui. C'est peu de dire aimé. Je ne veux pas dire je l'adore, je l'adorais, je l'aime encore. Et c'est ce qui me tue. Avant de commencer à chanter cette chanson que j'ai préparée pour ce monsieur, il est en train de me regarder, Patrick. Patrick Saint-Éloi. Monsieur Saint-Éloi. Comment je l'ai connu? C'était à l'époque de Fiestag. Il est le seul
Je ne veux pas pour autant susciter la jalousie de plus d'un. Le seul haïtien, le seul antillais, le premier artiste antillais qui m'a invité chez lui. Mes amis, nous ne pouvons pas applaudir. Nous ne pouvons pas applaudir. Quand j'ai vu ce type, je serai trop long, mais les mots me manquent. Les mots me manquent, chers amis. Quand on m'a appelé de New York pour me dire que Patrick Saint-Éloi n'est plus, je ne voulais pas croire. Il aurait fallu que M. Adrassé, Jean-Claude Adrassé, m'appelle pour me dire oui, je vous, Patrick n'est plus. Patrick n'est plus. Est-ce vrai ou non? Patrick n'est plus. Est-ce vrai ou non? Patrick n'est plus. Est-ce vrai ou non? Patrick, as-tu souvenance quand on était au stade de Dillon? Quand tu m'as dit, Patrick, j'ai dit à Patrick, écoute, tu seras là pour chanter une chanson de Tabou Kombo. Une chanson, il m'a dit, Choubou, c'est pas la peine que tu me dises laquelle chanson je vais chanter. Il a choisi. Et puis, voilà maintenant, chers amis, quand on m'a appelé, Patrick m'a à chanter cette chanson au stade de Dillon. S'il t'arrivait un jour à me quitter sans retour, mon âme serait perdue. Patrick, tu m'as fait du mal. Oui, Saint-Éloi, tu m'as fait du mal. Parce que, Patrick, un seul être me manque et tout est dépeuplé. I love you, Patrick. Il m'a fait à manger à Paris. Comme je viens de dire tantôt, il est le premier artiste antillais à m'inviter chez lui. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Patrick. Chers amis, s'il vous plaît, avant de commencer, parce que je serai trop long, j'aurais bien aimé que vous mettiez les mains en l'air pour le monsieur. Le monsieur. Et je dois dire quelque chose en latin. Memento mori, quia pulvisas et in pulverem reverteris. Souviens-toi, homme, que tu es poussière. Vas-y, DJ. Dieu Tout-Puissant, quand mon corps considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel t'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon âme. Alors c'est la chance, Dieu tout puissant, que tu es grand, de tout mon âme. Alors c'est la chance, Dieu tout puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, oh mon Dieu, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Tout le monde, j'étais avec moi.
quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les saints Patrick, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans son divin séjour, oh mon Dieu, il n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, il n'est plus grand. Tout le monde levez les mains pour bâtir cette loi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ton amour. On applaudit même, on applaudit même ce Patrice et les mon. Les funérailles ont débuté en milieu d'après-midi sur la place de la Liberté, où sa famille, ses amis, ses proches et une immense foule d'anonymes ont assisté à la cérémonie. Une cérémonie ponctuée par des hommages sous forme de prises de parole et de chants. La messe a été dite par le père Hameau. Il y avait beaucoup d'émotions, vous vous en doutez. Les personnalités politiques ont même repris en chœur une chanson en se tenant par la main. Le récit de ces funérailles avec Patrice Gonfier. La Guadeloupe était rassemblée cet après-midi au Moule. Ils sont venus, ils étaient tous là. Des milliers et milliers vêtus de blanc et de noir. Les larmes au cœur pour saluer la dépouille de Patrick Saint-Éloi. Des roses blanches, une voix, celle de l'artiste. Des notes qui s'envolent en silence. On a eu beaucoup de réflexions autour de ce silence. Et souvent, on comprenait ensemble qu'avant l'éloquence, il fallait comprendre le sens d'un silence. Et l'éloquence trouvait toute sa substance après un silence, quand on savait entendre tout ce qu'il y avait dans un silence. Je ne serai pas si long parce qu'il faut entendre tout ce qu'il a dit dans ses chansons. Et je vous laisse maintenant. Nous devons essayer de nous rappeler tout ce qu'il disait dans ses chansons. En silence. Visiblement très ému. Hein. Comme on connaît d'ailleurs, c'est Pierre-Édouard n'a jamais été quelqu'un qui a été un grand bavard. Mesdames et messieurs, vous qui êtes debout, vous allez rester debout. Et je demanderai à tout un chacun de se mettre debout et nous allons observer une minute de silence en sa mémoire. À cause de son nom.
vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. T'as prêté ton bâton de rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindris ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Reposer dans de verts pâturages. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Les mots, tu nous as fait voyager à travers le temps, les sentiments, tu nous as conduits sur les sentiers de l'amour, du respect, de l'humilité, traits qui caractérisaient ta grandeur d'âme dans toute sa simplicité. Autour du cercueil, la famille de Patrick Saint-Éloi. La messe va durer plus de 2 heures. En lien avec la parole de Dieu, je retiens 2 pistes par lesquelles Patrick nous interpelle. La première piste, il a chanté l'amour. Il disait lui-même, chanter l'amour pour Baye Valley. Pourquoi ce thème revenait-il si souvent dans ses chansons? N'est-ce pas le signe d'une faille en nos vies? Panine moi en famille, excusez-moi, pas d'amour dans le couple, on se sépare pour un rien, excusez-moi, gentil moun qu'a suffi de yo, passe yo pas qu'a dit moun pour aimer yo, excusez-moi, si nous qui là, nous t'aimons, nous t'y moins plus, t'es ni moins violence. Excusez-moi, ce sont nos manques d'amour qui engendrent tant de violence. Excusez-moi, je pourrais continuer la litanie. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Nous entendons encore la voix de Patrick comme dans une prière qui implorait « Excusez-moi ». Et nous aussi, nous avons à nous interroger tous sur notre capacité à aimer et à pouvoir dire « Excusez-moi ». La deuxième piste est plutôt une interrogation.
Patrick s'exprimait en français. Ses interviews étaient en français, mais il chantait toujours en créole. Pourquoi? Eh bien, moi je dis simplement, peut-être, une façon de nous rappeler que ça qui est en nous, ouais, pas que t'en nous, mais ça qui est en nous, te doit être redé nous, communiquer et communier, autrement dit, à mieux nous comprendre. Patrick est souvent parti, mais il est toujours revenu à sa famille, à ses amis, à ses racines. N'est-ce pas pour nous rappeler que si tu dis que tu aimes Dieu qui est loin de toi, tu dois d'abord aimer ceux qui sont proches de toi. Il marquait là en autre manière, l'aura vrai. Bon. Leçon d'amour, d'humilité, de simplicité qui doivent à Patrick ce déferlement d'amour et de tristesse aujourd'hui. Patrick nous laisse un patrimoine extraordinaire au niveau musical, mais il nous laisse aussi un trésor de messages. Allons-nous prendre le temps d'approfondir ces messages d'amour et de paix? Il ne faut pas nous être un qui en musique à Zoukla, à Zouklov, mais il faut nous rentrer en parole à Patrick. Et puis, à la lumière de cet événement douloureux, nous devons chercher une lecture de la vie, de notre vie quotidienne en Guadeloupe. Patrick a chanté l'amour, la paix, il s'en va. Allons-nous rester là, les cœurs saignants, ou bien allons-nous fort de ce ballon qu'il nous a donné, dialoguer, échanger, nous mettre ensemble, comme aujourd'hui, pour cheminer vers la paix. Frères et sœurs, chers amis, au moment où nous marchons sur un chemin d'accablement, laissons-nous rejoindre par le Christ. Patrick avait l'habitude de dire « Nous adons tinel, mais en bout à tinel là, ni la lumière. » Au cœur de notre douleur, faisons place à la prière. Engage-nous avec le Seigneur pour lui confier notre désarroi, puissions-nous recevoir de sa présence réconfort et paix. Que la famille de Patrick puisse toujours compter sur votre réconfort et votre amour. Il vous laisse sa musique, sa famille, ses messages. Prenez-en soin. Patrick, le Seigneur t'aime, car il aime ceux qui t'aiment. Amen. Voilà pour l'homélie poignante de Monseigneur Jean Arnaud. Alors que l'office va se poursuivre et qu'on arrive à la fin, on retiendra néanmoins un geste qui soit un premier engagement dans la suite de ce que je viens de dire. Nous allons nous donner la main, nous allons faire une seule chaîne d'amitié. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter Adam aux mains, prends main à Jésus-Christ. Adam l'autre là, prends main à frère à vous. Plus de violence chez nous, essayons de nous aimer un peu plus. Essayons de mettre plus l'évangile dans nos vies. Allez, mets-nous à l'air bien. Adam l'autre là, promet à Jésus-Christ. Adam l'autre là, promet à Jésus-Christ. Adam l'autre là, promet à Jésus-Christ. Adam l'autre là, promet à frère amour. Adam, on est à, promet à Jésus-Christ.
Pour notre prière. Après la cérémonie, les au revoir. Moment de déchirement. Très émouvant. Très émouvant. Ah non, je sors de Martinique, je parle. Je suis venue faire un acte de présence. Nous arrivons pratiquement à la fin de la cérémonie. Je n'ai pas, je ne sais plus quoi dire. Nous tenons à remercier les cuisinières de la Guadeloupe qui se présentent. C'est tellement long à expliquer. Patrice, c'est comme si c'était un frère dans notre famille. C'était tout pour nous, quoi. Mais bon, il est parti. Nous avons écouté la parole de Dieu. Famille à Patrick, Cadizot, merci. Ensuite, le cercueil, porté à bras d'homme, va aller en direction du centre-ville, avant de se rendre au cimetière. Dernière étape d'une vie écourtée. Des fleurs de toutes les couleurs, en hommage à la nouvelle icône, entrée au panthéon de l'art musical caribéen et international. Beaucoup de monde était déjà sur place. La famille qui souhaitait au départ être seule pour l'inhumation n'a pas interdit l'accès au cimetière. Et la foule, très respectueusement, était également présente donc pour ce moment, pour cet adieu. Auparavant, après la cérémonie religieuse et les hommages, la voiture qui a emmené Patrick Saint-Éloi au cimetière était entourée par les membres de CASAV et de nombreuses personnes, bien évidemment, comme vous le voyez. Ouvrant le cortège, les cuisinières de la Guadeloupe, disciples de Saint-Laurent, car Patrick appréciait aussi la bonne table. Point culminant de l'émotion, le corbillard, accompagné de plusieurs membres du groupe CASAV. Les amis tambouillés réunis pour l'occasion rendent hommage une dernière fois à nos des leurs au rythme de 52 tambours. La foule, toujours aussi immense, s'est déjà, elle, positionnée aux abords du cimetière pour saluer le passage de l'artiste. Malgré le souhait de la famille, une partie du public est autorisée, un peu contre toute volonté exprimée, à accompagner Patrick sur le seuil de sa dernière demeure. Encore quelques chants improvisés pour dire un dernier au revoir à PSE, les dernières larmes, les dernières marques d'affection, les derniers mots. Et il est déjà temps de te dire adieu, Patrick.